Ce chers auditeurs, dites-moi, ai-je mal compris ou c'est tout simplement vrai? Qui sont ceux-là qui veulent détruire le bilan du président de l'Afrikafoot en appelant à la candidature de Jérémy Sorel-Jita? Qui sont-ils? Qui sont ceux-là qui mettent le feu au bilan du président de l'Afrikafoot en appelant à la candidature de Jérémy Sorel-Jita? Qui sont-ils? Ils en ont même fait des affiches. Ah bon? C'était ça donc? D'accord, nous allons jouer sur ce terrain. Vous voulez jouer? Nous allons jouer. Maintenant que vous êtes à découvert, nous allons jouer. Ça va se jouer. Nous irons même jusqu'à modifier les statuts de l'Afrikafoot afin que le président Samuel Eto'o reste président à vie de l'Afrikafoot. On va voir ce que vous ferez. Vous n'allez rien faire. Rien du tout. Je vous dresse ici un état des lieux de l'Afrikafoot. En attendant le coup d'envoi des hostilités, je vous dresse ici un état des lieux de l'Afrikafoot. Un petit bilan. Vous avez les actions, vous avez Samuel Eto'o à son arrivée à l'Afrikafoot, vous avez Samuel Eto'o après son arrivée. Alors, commençons. Subvention au club Elite One. Avant son arrivée, c'était 11 millions de francs CFA. Avec son arrivée, 48 millions de francs CFA. Subvention au club Elite Two. Avant son arrivée, 7 millions de francs CFA. Avec son arrivée, 14 millions de francs CFA. 3. Prime du champion au championnat de première division. Avant Samuel Eto'o, c'était 20 millions de francs CFA. Avec Samuel Eto'o, c'est monté à 50 millions de francs CFA. Vainqueur de la Coupe du Cameroun. Avant Samuel Eto'o, c'était 10 millions de francs CFA. Avec Samuel Eto'o, c'est monté à 25 millions de francs CFA. Salaire des joueurs. Avant Samuel Eto'o, néant. Il n'y avait rien. Avec Samuel Eto'o, 200 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. Salaire des joueuses. C'est-à-dire le football féminin. Avant Samuel Eto'o, c'était 25 000 francs CFA. Avec Samuel Eto'o, c'est monté à 50 000. Beach soccer. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, néant, il n'y avait rien. Avec Samuel Eto'o, participation aux qualifications Cannes 2022. Création du championnat national. Football en salle, futsal. Avant Samuel Eto'o, néant, il n'y avait rien. Avec Samuel Eto'o, est né le championnat national et la coupe nationale de futsal. Corpo et vétéran. Avec Samuel Eto'o, il n'y avait rien, néant. Avec Samuel Eto'o, on a assisté à la naissance du championnat national et de la Coupe du Cameroun en la matière. Subvention des ligues régionales. Avant Samuel Eto'o, néant, il n'y avait rien. Avec Samuel Eto'o, il n'y a rien non plus, il n'a pas trouvé ça pertinent. Indemnité de préformation. Avant Samuel Eto'o, néant, il n'y avait rien. Avec Samuel Eto'o, 1 million de francs et 500 000 francs CFA. Lions indomptables. Avant Samuel Eto'o, prime mondiale 2014, 45 millions de francs CFA. Avec Samuel Eto'o, prime mondiale 2023, 60 millions de francs CFA. Innovation. Avant Samuel Eto'o, aucune innovation. Néant. Avec Samuel Eto'o, on a eu droit à la naissance d'un trophée de champion. Du ballon d'or. Trophée des régions. Infrastructure. Avant Samuel Eto'o, rien. Néant. Avec Samuel Eto'o, construction en cours du stade de Bameda, comparachèvement du centre technique de l'Afrikafoot, réhabilitation du centre d'excellence de la CAF, sponsoring, sélection nationale féminine et masculine, sponsoring, One All Sport, nouveau contrat avec Orange Cameroun, boisson du Cameroun, One Is Bet, championnat professionnel MTN Elite One et MTN Elite Two, sponsoring MTN Cameroun, Tioff, One Xbet. Championnat national corpo et vétéran, Camtel. Championnat national de football féminin, Guinness Cameroun SA. Distributeur agréé des équipements des Lions Indomptables et Dimo. Annonceurs ponctuels, c'est-à-dire qui sont là de temps en temps, SPN, Anamesh, Tradex, Port Autonome de Douala, Port Autonome de Kribi, TKT, Betwinner, Cosport, Camerco, Kachoko, Camvert, Broly, Sodecoton, Sport Elite, Bukaro Lounge, Adsnet, Camerco, Simancam.